Ok, donc salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence, je vais vous demander un truc. S'il vous plaît, partagez ma chaîne, s'il vous plaît, partagez cette vidéo à vos amis. Si je le demande, c'est que j'en ai vraiment besoin parce que c'est ce qu'il faut pour qu'une chaîne évolue, surtout dans le gaming, surtout dans le gaming. Donc s'il vous plaît, partagez. Merci à tous. Ok, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que je vais parler, donc... Je vais parler de sujets très intéressants et j'ai pas écrit cette vidéo, je vais vraiment parler, dire les choses comme je pense, vraiment parler de manière honnête. Donc c'est pour ça que j'ai pas de fiches, j'ai rien depuis que j'écris mes vidéos, mais là j'ai rien du tout. Donc les gars, aujourd'hui on va parler de quoi? On va te parler de pourquoi YouTube, malheureusement, c'est très dur de progresser quand on est dans le gaming. Et pourquoi j'ai besoin de vous, pourquoi il faut que vous partagiez ma chaîne. On va parler du code créateur, on va parler pas mal de trucs. Donc je pense que je vais commencer par YouTube et le gaming. Ok, donc j'étais en train de dire, c'est très difficile de se frayer une place. Mais ça, je pense que vous le savez déjà, d'avoir de la visibilité surtout. En fait, c'est ça le truc. C'est avoir de la visibilité, c'est très dur en ce moment sur Fortnite. Parce que on n'est plus au début du jeu, on n'est plus... Bah, on n'est pas les premiers, tout simplement. Je suis pas le premier à faire du contenu sur Fortnite. Et donc je voulais vous demander un truc, les gars. C'est, il y a des gens sur mes lives qui viennent, qui s'abonnent, qui like. Ça me fait super plaisir. Non mais franchement, vous me faites super plaisir. J'adore. C'est trop bien. Je gagne pas mal d'abonnés en ce moment. J'arrive à gagner parfois 10-12 abonnés par jour. Pour l'instant, c'est la première fois que ma chaîne évolue aussi vite. Ça paraît pas grand chose pour comparer à des grands youtubeurs, mais c'est la première fois que ma chaîne évolue aussi vite. Mais le problème, c'est qu'en fait, ça suffit pas, tout simplement. Genre, c'est très bien, c'est déjà ça. Mais en fait, ça suffit pas. Parce que, comme vous le voyez, des fois en live, je lag, tout simplement. Et je vais devoir, un jour, si je veux continuer live, si je veux continuer YouTube... Je vais devoir un jour me racheter une nouvelle config. Me racheter un nouveau PC et tout. Et moi, je ne peux pas parce que je n'ai pas d'argent. J'ai 16 ans, je travaille pas. J'ai pas d'argent, donc en fait, le problème, c'est que si je fais pas quelque chose, bah, j'arrêterai juste ma chaîne. Ma chaîne, là, en durée de vie, vraiment, il reste un an maximum. Après, j'arrête parce que mon PC sera terminé. Il sera dead, mon PC. Donc la seule solution, les gars, la seule solution... C'est de vraiment faire une grosse communauté sur ma chaîne. Et de pourquoi pas essayer de générer un petit revenu. Pour peut-être avec beaucoup de travail, avec le code créateur, avec beaucoup de partage. Pourquoi pas réussir à gagner assez d'argent pour m'acheter une config. Après ça, on en est énormément loin. Déjà, j'ai même pas de code créateur pour l'instant. Donc c'est pour ça que je dis que ça va être très dur. Mais moi, je suis sûr d'un truc, c'est que grâce au partage, si vous partagez ma chaîne, on peut y arriver. Mais ça... C'est vous qui décidez. En fait, c'est vous qui êtes maître. C'est vous, soit vous décidez de me laisser une chance, de dire, tiens, Dira, il fait un contenu pas mal, ses vidéos, elles sont quand même montées, elles sont quand même travaillées, ses lives, ils sont sympas, il essaie d'être le mieux possible. Donc, il mérite que je le partage. Donc, je vais prendre le lien de sa chaîne, je vais l'envoyer à deux potes. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, soit vous décidez de faire ça, et la chaîne va grossir encore plus vite qu'elle grossit, parce que le temps presse pour l'instant. Ou soit vous le faites pas parce que vous dites que pour X raison en fait. Je vous en voudrais pas si vous le faites pas. Hein. Vous en voudrez pas, mais sachez juste que si personne le fait, bah je devrais arrêter YouTube. Faut juste savoir ça. Donc je vais vous faire un exemple. Je vais vous faire un petit dessin. Là je pense à l'écran ou je sais pas trop quoi. Pour dire à quel point le partage ça peut aller vite. Donc on va prendre un abonné qui est là depuis longtemps. On va prendre Emza. Bon, j'aurais pu prendre n'importe qui. Hein. Et on va prendre Emza. J'aurais pu prendre Litrion ou l'autre personne. Donc Emza, il aime ma chaîne. Ok, il est souvent sur mes vidéos, il joue souvent avec moi, il est souvent sur mes lives. Donc maintenant, ce qu'il va faire, imaginons, il partage ma chaîne ou ma vidéo, ou une de mes vidéos. Ma vidéo présentation, c'est le mieux pour partager. À deux de ses amis. Ok. Il dit à ses amis de partager à deux de leurs amis la vidéo. Ben là, vous voyez sur le dessin que ça peut aller très vite. Et que si vous êtes 10 à faire ça, je peux vraiment gagner 100 abos.
en 3-4 jours. Mais après, c'est vous qui décidez, genre. C'est à vous de décider. Moi, je vais continuer les lives réguliers, je vais continuer à faire le contenu. Mais je vous fais cette vidéo vraiment pour vous dire que si vous voulez que je n'arrête pas, que je continue, que j'améliore encore la qualité, il faut partager. Donc voilà, donc c'est tout pour le partage. On va passer tout de suite à un deuxième point. Ok, donc en deuxième point, les gars, je vais vous parler d'un truc que je trouve totalement injuste. C'est les codes créateurs de masse. Alors les codes créateurs de masse, c'est quoi? C'est par exemple Michou, qui j'ai entendu dire a plus de 400 000 soutiens dans la boutique. Tixi qui en a plus de 100 000. Les gars, ils font des chantages, genre ils disent je vais me teindre les cheveux en gris à 100 000. Le mec, il a 100 000 soutiens, il s'est pas teint les cheveux en gris. Donc c'est totalement ridicule, les gars, pourquoi? Parce que j'ai rien contre... Je veux dire, d'abord je veux préciser un truc. J'ai rien contre Tixi et Michou, hein. Je suis pas là pour faire un drama. Tixi, je regarde toutes ses vidéos, je vous jure que c'est vrai. Michou, je regarde un peu moins, mais je regarde quand même ses vidéos, j'ai rien contre eux, hein. Je suis vraiment pas là pour les critiquer, mais je parle vraiment là du code créateur. C'est ridicule ce que vous faites, parce que... Est-ce que vous pensez vraiment que Michou et Tixi ont besoin d'autant de soutien? Les gars, dans soutenir un créateur, j'entends soutenir un créateur, c'est pas compliqué. Et Michou, en fait, c'est bien de le soutenir, mais Michou, il est déjà super bien. Il a déjà un setup de malade, il a déjà un studio de malade, il a tout pour faire de la bête de qualité, en fait. Les gars, je suis sur PC portable. Piqûre de rappel. Je suis sur PC portable. Mon PC, il coûte 1000 euros, tout compris. Je joue avec un clavier tout plat. Et je fais de mon mieux pour faire de la meilleure qualité. Donc, entre Michou, qui a déjà son setup, qui est déjà bien installé sur YouTube et tout, ou même Tixi, et moi, qui est sur PC portable, soyons honnêtes. C'est quoi le plus important? C'est qui faut mettre en soutien? Alors, je vais être honnête avec vous, je pense que c'est moi. Je pense, en toute honnêteté. Et après, moi, je vous dis un truc, je vous promets un truc. Si un jour, j'arrive à mes fins, c'est-à-dire que si un jour, j'ai eu beaucoup de codes créateurs, j'ai réussi à avoir un revenu, j'ai réussi à m'acheter une nouvelle config, bah, je vous dirai d'enlever mon code créateur. Parce que moi, je suis contre me faire de la... Enfin, je suis pas là pour devenir riche, en fait. J'ai pas ouvert cette chaîne YouTube pour devenir riche, pour être pété de thunes ou pour devenir une star ou pour je ne sais quoi. J'ai ouvert ça par passion. J'adore faire des lives, j'adore faire des vidéos. Mais je vais être obligé de passer au niveau supérieur, en fait. Je peux pas continuer comme ça. Genre, la qualité, vous voyez bien que la qualité de mes lives, je fais de mon mieux. Mais elle est pas ouf, parce que j'ai pas le matériel. Et pour avoir le matériel, on tourne en rond, mais... Partagez ma chaîne, faut que j'ai le code créateur. Et faut que vous le mettiez. Voilà, c'est le message de cette vidéo, vraiment. Partagez-la, partagez, partagez, c'est tout ce que vous avez à faire. Franchement, ça prend une minute, ça vous coûte rien. Et moi, ça peut changer mon avenir sur YouTube. Ça peut clairement changer ma vie. Voilà, vraiment, je pèse mes mots. Ça peut changer ma vie. Et vous, ça vous prend une minute. Donc, franchement, faites-le. Ça me ferait super plaisir. Et sachez que si vous le faites, je suis pas un crevard, je serai reconnaissant. Ça veut dire que si j'ai des soutiens, si j'ai le code créateur, bien sûr que je ferai des concours, bien sûr que je ferai des giveaways, bien sûr que je ferai des parties perso, je ferai tout. Bien évidemment, je suis pas là pour, comme je vous ai dit, je suis pas là pour m'en mettre plein les poches, c'est pas mon but. Mon but, c'est de survivre, en fait. De survivre dans ce monde, hostile. Donc voilà, j'espère que le message est passé. Donc, sachez que c'est vous qui avez le choix. Ma chaîne YouTube, c'est moi qui fais le contenu. Mais c'est pas moi qui décide de l'avenir de ma chaîne. Ceux qui décident de l'avenir de ma chaîne, c'est vous, les abonnés. C'est vous qui allez décider si vous voulez me faire percer ou si vous voulez pas. Parce que c'est vous qui devez, qui allez partager mes vidéos si vous le souhaitez. Uniquement si vous le voulez, je peux pas vous obliger à partager. Mais moi, je peux pas le faire parce que dès que je commence à partager mes vidéos sur un réseau ou quoi, Insta, il me bloque parce que j'envoie des liens et il aime pas ça. Donc, faut que ce soit les gens qui partagent. Donc voilà, vous êtes maître, vous pouvez choisir. Vous pouvez me donner une chance si vous pensez que je le mérite. Donc voilà, arrêtez de soutenir les mêmes créateurs, arrêtez de partager les mêmes créateurs. Les gars, il y a un truc qui... Il y a un truc, je pense, qui dégoûte pas mal de créateurs de contenu, c'est ça le troisième point. C'est les buzz.
Non mais honnêtement les gars, qu'est-ce qui est jeune qui attend? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est un mec. Je le critique pas encore une fois, parce qu'il a même pas fait exprès de buzzer. Je le critique même pas. Mais le mec, c'est un gamin, il s'est filmé avec son téléphone en train de faire une blague qui n'a fait rire personne. Honnêtement, qui rigole à cette blague? Si moi je te fais cette blague demain, est-ce que tu vas rire? Non. Et pourtant le mec, il a fait plus de vues que toutes mes vidéos réunies. Pourquoi? Parce qu'il a été partagé. Voilà pourquoi. Alors que sa vidéo s'est filmée avec un téléphone de mauvaise qualité, le son n'est pas bon. C'est mal cadré, mec. C'est mal cadré la vidéo. Il n'y a rien qui va dans sa vidéo. Et pourtant, il a fait plus de vues que toute ma chaîne YouTube. Et ça se trouve, il a fait plus de vues que je n'en ferai jamais. Donc voilà. Et ça franchement, c'est ce qui décourage plein de créateurs de contenu. Parce que moi, vous avez qu'à voir mes dernières vidéos. Oui, elles sont pas d'une qualité pro parce que je suis sur PC portable. Mais elles sont travaillées, elles sont montées. Je fais de la meilleure qualité que je peux, de la meilleure qualité possible. Désolé pour les bruits d'épée. Je me donne à fond. Ok? Je me donne à fond. Mais j'ai besoin de vous, tout simplement. J'ai besoin de vous. On est une communauté, on est une chaîne. Vous êtes mes abonnés. Enfin, vous êtes mes abonnés. Moi, j'aime pas dire abonné. Parce que abonné, c'est un peu en mode. Ouais, tu payes un truc, du coup je te donne un truc en retournant. Vous n'êtes pas mes abonnés. Vous êtes mes amis. Tous les matins, je joue avec vous. J'adore jouer avec vous. Limite, des fois, je joue juste avec vous. Après, je joue même plus à Fortnite. Parce que ce qui compte, c'est jouer avec vous. Vous êtes mes amis. Mais maintenant, j'ai besoin de vous. Je vous le dis. Faut que vous partagez ma chaîne. Voilà. Et que vous dites aux gens à qui vous partagez de partager ma chaîne. C'est la seule solution au bout d'un moment. Je ne peux pas faire autrement pour évoluer. À moins que je fasse des vidéos putaclic, à moins que je fasse des vidéos cancer, que je me transforme en cancer de YouTube, mais c'est pas le but. Vous savez bien, c'est pas mon but. Mon but, c'est de faire de la qualité, des vidéos propres et de continuer à évoluer. Donc voilà, j'espère que le message est passé. Je vais essayer de bien monter la vidéo pour pas qu'elle soit trop longue et chiante à regarder parce que je sais que c'est pas le genre de vidéo qui intéresse tout le monde. Donc voilà. C'était Dira. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez me donner une chance. Vous êtes maître de ma chaîne. C'est vous qui êtes maître de ma chaîne, pas moi. Et je vous dis à la prochaine. À demain pour un nouveau live. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Prenez soin de vous.